Karim, Samy, pourquoi vous êtes en retard On n'est pas très en retard, Yacine. J'ai failli mourir de faim. Excuse-nous, mais c'est le prof de maths qui nous a retenus. Alors, on y va? Ça a l'air bon ce qu'on va manger aujourd'hui. Mmh. Ce repas est délicieux oui et sûrement encore plus délicieux pour quelqu'un qui a toujours faim comme toi. Miam, miam il ne me reste plus de pain, je vais en chercher. d'accord, mais fais vite. me voilà. non, non, ne dis pas ça. Pourquoi ils chuchotent entre eux et ils ne veulent pas que j'écoute leur conversation. Ils parlent sûrement de moi. Pourquoi tu ne finis pas ton repas Où vas-tu Pourquoi il s'en va comme ça Je ne sais pas. Peut-être que quelque chose l'a mis en colère Allons le rattraper et voir ce qu'il a. Attends-nous Yassine, attends Yassine Pourquoi es-tu parti de la cantine en colère et triste À cause de vous deux. À cause de nous Comment ça Vous étiez en train de chuchoter tous les deux, sans que je puisse participer à votre conversation, alors que nous sommes amis. Il n'y a pas de mal à ça. On parlait d'un sujet qui nous concernait seulement nous. D'un sujet qui vous concerne ou vous étiez en train de parler de moi Mais non, jamais nous ne pourrions parler sur toi. Je ne sais pas, laisse-moi tranquille. Est-ce que nous allons laisser notre ami en colère? Non, non, bien sûr que non. Mais il va oublier cette histoire. On redeviendra ami dans un jour ou deux. On ne peut pas le laisser en colère pendant toute cette période. On doit aller le voir pour se réconcilier avec lui. Tiens, le voilà. Allons le voir. Yacine, pourquoi t'es-tu assis aussi loin? Je ne veux pas m'asseoir à côté d'eux. Et pourquoi cela Leur comportement m'a mis en colère. Mais qu'avons-nous fait Et de toute façon, nous voulions nous excuser de t'avoir mis en colère. Mais que leur reproches-tu, Yassine Lorsque nous étions à table, ils se sont mis à discuter entre eux, à voix basse, me laissant à l'écart. Est-ce une erreur, Mahalima C'est ce qu'on appelle un aparté. Et oui, c'est interdit. C'est donc une conversation secrète Oui, c'est exact. C'est tenir une conversation à deux, à voix basse, en tenant à l'écart la troisième personne. J'ai appris le verset du chapitre El Moujed quand Allah dit La conversation secrète n'est que l'œuvre du diable pour attrister ceux qui y ont cru, mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. C'est très bien, Yassine. Et le prophète sallallahu alayhi wa, sallam, sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire cela et a dit. Lorsque vous êtes trois, ne tenez pas de conversation secrète à deux, car cela attriste la troisième personne. Mais, Mo'alima, on a parlé de choses qui ne concernent pas Yassine. Et on ne voulait en aucun cas lui faire de mal. Oui, oui, je sais très bien, mes enfants, mais notre religion recommande le bon comportement et les règles de politesse de la vie entre les gens. Et ils étaient plus que trois, Mo'alima. Il est interdit d'avoir une conversation secrète en laissant une personne de côté, et cela s'applique quel que soit le nombre de personnes, car cela n'augmentera que sa tristesse. Et si on laisse deux personnes ou plus ensemble Oui, cela est autorisé, car le Prophète (sallallahu alaihi sallam, sallam, sallam a dit Lorsque vous êtes trois, ne tenez pas de conversation secrète entre deux personnes, car cela attriste la troisième personne. Abu Salih demanda alors à ibn Omar et s'ils sont quatre, il répondit que cela est autorisé. Et s'il y a trois personnes, deux d'entre elles maîtrisent une langue que la troisième ne connaît pas, ont-elles le droit de parler avec cette langue sans que la troisième ne comprenne Non, car cela est comme une conversation secrète. Et si les deux personnes veulent discuter d'un sujet très important qui ne concerne pas la troisième personne, comment doivent-elles faire Ils doivent alors retarder la conversation ou bien, s'ils savent que cela ne va pas attrister l'autre personne, ils peuvent simplement lui demander l'autorisation. Ah. Je vois, nous sommes désolés, Yacine, de t'avoir causé du tort. Oui, on ignorait que cela était interdit, mon ami. Ce n'est rien, mes amis.